Venez, 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 allez, venez, 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 venez. Peuple d'Afrique. Appelez la communauté de l'AES. Appelez la communauté de l'AES au Burkina Faso, chers camarades. Ce qui s'est passé là-bas, oh, même aujourd'hui à 9h, ce n'est pas du jeu. Connectez-vous, chers camarades, connectez-vous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Ce qui s'est passé au Burkina Faso, chers camarades, ce n'est pas du jeu. Pour ceux qui n'ont pas encore regardé, l'élément est là. C'est bientôt prêt. On va diffuser cela, chers camarades, peuple d'Afrique. Partagez cette vidéo dans tout le groupe de l'AES. S'il vous plaît, partagez cette vidéo dans tous les groupes de l'Alliance des États du Sahel, c'est-à-dire les groupes maliens, les groupes du Burkina et les groupes du Niger, chers camarades. Ce qui s'est passé aujourd'hui au Burkina Faso, la dronistification à outrance, chers camarades. Les taureaux sont en train de se chercher, ils sont en train de courir. J'attends à ce que vous atteigniez 100, chers camarades, peuple d'Afrique. D'ici et d'ailleurs, le combat se poursuit. Merci, vous avez atteint les 100. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je ne vois pas assez de pouces bleus. Est-ce que vous pouvez mettre le cœur? Est-ce que vous pouvez pomper le cœur, chers camarades? Pomper le cœur. Il y a une chose qui m'a fait plaisir. C'est-à-dire... Lorsque les taureaux, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur. Attends, voici, ils ont quand même partagé un peu. Attends, voici, vous avez mis 100 partages quand même. C'est le patriote qui est là, chers camarades. J'aime le combat qui se déroule au Burkina Faso. J'aime la manière pragmatique, hein, c'est-à-dire la manière dont procèdent les nouvelles autorités du Burkina. Chers camarades, on me dit, il y a 3 partages. Chers camarades, s'il vous plaît, est-ce que mes amis du combat panafricain, mes amis burkinabés, si vous êtes là, est-ce que vous pouvez partager cet élément? Le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas dans l'amusement. Le capitaine Ibrahim Traoré est dans un combat très sérieux. Et ils sont en train de faire un combat, pas pour les enfants, chers camarades. Alors, on va faire rapidement, mais il y a partagé aussi. Partageons, atteignons les 100 partages. C'est notre minimum, 100 personnes en ligne, 100 partages, avant que je ne poursuive les hostilités, chers camarades. Il y a une chose qui m'a marqué pendant que vous partagez, chers camarades, et pompiez les cœurs. C'est que les taureaux, ils étaient dans un gros camion. Ils étaient en train de... C'est-à-dire, ils ont fui. Ils sont en train de... Parce qu'il y a les soldats. C'est-à-dire, maintenant, là, les VDP, là, sont tellement nombreux que maintenant, tout ne se déroule plus avec les drones. Chers camarades, partagez la vidéo. J'ai partagé aussi mon deuxième partage. Atteignons les 100, je regarde ici. Nous sommes à 17 partages. Atteignons les 100 partages, vous êtes 240 personnes, chers camarades. Partagez dans tous les groupes de l'AES. Je dis bien les groupes de l'AES. Partagez, chers camarades. Le combat africain que nous faisons, c'est un combat où nous devons payer le prix qui va avec. Et le prix que l'armée du Burkina paye, le prix que M. Traoré paye, est le prix pour la souveraineté de l'Afrique. Parce que si le Burkina Faso gagne cette guerre, c'est l'Afrique qui a gagné cette guerre. Parce que ce sont les oligarchies, les gens tapis dans l'ombre, les milliardaires, les hommes politiques français, c'est ce qu'on appelle les impérialistes. C'est eux qui financent le terrorisme en Afrique. C'est ça qui est la vérité. Ce sont eux. Donc, en combattant les terreaux, nous combattons, c'est comme une guerre froide. C'est pourquoi il faut qu'on soit engagés, vous et nous. Nous qui communiquons et vous qui nous donnez la force en venant nous regarder dans les directs, en nous partageant et en mettant des cœurs et des bons commentaires. Le combat doit poursuivre son cours. Est-ce que vous savez qu'Ibrahim Traoré, c'est un jeune comme moi? C'est quelques années qui nous séparent. Sinon, c'est un jeune. Je ne sais pas si c'est moi qui le dépasse, s'il me dépasse. En tout cas, moi, ici, grand détail. Mais je ne sais pas s'il me dépasse. Mais c'est un jeune en termes d'âge. Il est jeune comme nous. C'est mon grand frère, mais il est jeune comme nous. Vous comprenez un peu, non? Donc, Ibrahim Traoré est toujours mobilisé. Imaginez-vous que Ibrahim Traoré tombe sur ce direct. Il tombe par exemple sur ce direct, il voit des cœurs, il voit vos commentaires, et il voit beaucoup de partages, et il voit le commentateur qui soutient le Burkina, ça lui donne la force.
C'est très important ce combat que nous faisons. Ne négligeons pas ce combat. Parce que les mêmes VDP, là, quand eux, ils rentrent chez eux à la maison, là, ils regardent. Attends, je ne sais pas si eux, ils rentrent à la maison. Je ne sais pas s'ils vont en caserne. Mais ce que je sais, c'est qu'ils ne sont pas dans la brousse tout le temps. Ils ne sont pas derrière les terreaux tout le temps. Il y a d'autres qui rentrent chez eux pour se reposer et puis d'autres les relais. Vous comprenez? Quand ils viennent et qu'ils prennent les téléphones pour regarder, qu'ils tombent sur ces vidéos-là, ça leur fait du bien. Donc c'est tout cela qui fait le combat. Le combat a besoin de motivation, chers camarades d'Afrique. On va maintenant commencer. Je disais qu'il y a un gros camion rempli de terreaux. Ils ont mis dedans. Quand ils ont vu qu'au plan terrestre, c'est B, c'est-à-dire les Burkinabés maintenant sont fâchés. Quand ils vont maintenant attaquer, ce n'est pas le drone seul qui s'en va. C'est-à-dire qu'ils vont et puis ils sont remplis en tête. Donc quand ils ont vu, ils ont commencé à fuir. Et quand ils ont compris, je ne sais pas qui leur informe, mais ils ont compris qu'il y a un drone qui les suit. En fait, le drone burkinabé les suivait. Le drone ne tire pas, mais le drone les suivait. Et ils ont commencé à... Ils ont pris, comment on appelle ça? Ils sont partis vers la frontière avec le Mali. Mais le temps qu'ils vont arriver de la frontière avec le Mali, là, ils ont été informés, je vais regarder encore, ils ont été informés, chers camarades, 48 partages, chers camarades, vous êtes 600 et quelques. Presque 700 personnes en ligne, 693. Chers camarades peuple d'Afrique, donnez la force au direct. Vous êtes 700 et quelques. Donnez la force au direct. Parce que je vois 48 partages. 722 personnes, 48 partages. Vraiment, ce combat ne mérite pas cela. Il faut que cette vidéo aille loin, chers camarades. Alors, je vais poursuivre en comptant sur vous. Ceux qui n'ont pas partagé, s'il vous plaît. Ne serait-ce qu'une fois, une fois. Donc, ils étaient en train de partir vers la frontière du Mali. Vous savez, quand ils ont été informés qu'il y a un drone qui les suit, c'est-à-dire le drone les suit, parce que c'est comme ça les Burkinabés font. Quand les gens fuient pour aller dans l'autre, comment on appelle ça, dans une frontière ou même dans un autre pays, eux ils ne tirent pas, hein. Ils suivent les gens qui fuient et puis ils informent les autres. Vous comprenez maintenant, non? Donc maintenant les terreaux connaissent la tactile des Burkinabés. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont descendus du gros camion, ils sont partis à pied, ils sont dispersés. Vous savez ce que les Burkinabés ont fait? Ils ont quand même bombardé le camion. Parce que si le drone, parce que quand il se disperse, le drone va suivre qui? Ils sont plus de 20 personnes dans le gros camion et ils se dispersent. Donc le drone ne peut pas suivre un et puis laisser tout le reste. Donc le drone normalement doit revenir à la base. Mais vous savez ce que les Burkinabés ont fait? Ils ont bombardé le camion vide. Il n'y a personne dedans. Hein? Ils ont bombardé et puis ils ont informé les Maliens. Vous allez voir ça dans le commentateur. Le commentateur va le dire. Donc chers camarades, moi j'aime le combat des Burkinabés, chers camarades. C'est-à-dire ils sont concentrés sur leur combat. Le premier combat, c'est les terreaux. Le deuxième combat, l'autosuffisance alimentaire. Le troisième combat, c'est d'arracher tous les marchés qui sont entre les mains des Toubabous. C'est-à-dire, ils ont arraché l'aéroport de Dossier, ils ont pris la clinique, ils ont fait telle chose, ils sont en train de faire les usines de tomates, ils sont en train de faire beaucoup de choses à la fois. Et tout ça, c'est concentré sur le Burkina. C'est ça que moi, j'aime. C'est ça que moi, j'aime. Imaginez-vous que Ibrahim Traoré est le président de l'Afrique. S'il vous plaît, je vous demande pardon. Imaginez-vous que Ibrahim Traoré, IBT, est président de l'Afrique. Puisque nous nous battons pour que notre Afrique soit unie. S'il y a les États-Unis d'Amérique, s'il y a les États, comment on appelle ça, United Kingdom, comment on dit ça en français. S'il y a United Kingdom, il y a États-Unis d'Amérique, il y a Union Européenne, mais il peut y avoir États-Unis d'Afrique. Imaginez-vous que Ibrahim Traoré est le président de toute l'Afrique. Il sera concentré sur les actions militaires, les actions... Oh non, moi j'aime le président là. Il dit j'aime Ibrahim Traoré. J'aime Ibrahim Traoré, si c'était une grande personnalité, il y a longtemps il était au Burkina Faso. Il y a longtemps, regarde-moi là, mon passeport là, ça va partout. Sans visa. Ça dit c'est à l'aéroport qu'ils vont mettre tampon. On va me demander tu vas où. Il dit je m'en vais à Ouagadougou. On met po, je m'en vais. Maintenant là-bas pour venir, c'est la même chose, je m'en vais aux États-Unis, on met po. Donc j'ai pas besoin de visa pour voyager. C'était une grande personnalité, moi. C'était comme les Didier Drogba, les Eto'o fils. Il y allait aller voir Ibrahim Traoré. C'est un bon gars, chers camarades. On va maintenant aller aux hostilités, chers camarades. Est-ce que vous avez partagé la vidéo? Merci d'être là. Je vois 1000 et quelques. Merci beaucoup, 1200 personnes. Et le nombre de partages, ça me donne au compteur 150 partages. 1200 personnes, 150 partages, ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas, il n'y a pas une corrélation, mais ce n'est pas grave. Mais partagez, s'il vous plaît, partagez parce que le capitaine Ibrahim... Moi j'aime beaucoup le capitaine Ibrahim Traoré. Moi, j'aime le capitaine Ibrahim Traoré. J'ai dit, j'aime le capitaine Ibrahim Traoré. Aïe, j'aime... C'est-à-dire, j'aime sa manière de faire. Il est concentré. C'est ça que j'aime chez lui. C'est pas que les autres ne font pas. Mais lui,
Il est, c'est-à-dire, comment, il est focus. En anglais, on dit focus. Tu vois, non? Voilà, il est focus, il est concentré, il est focalisé, si vous voulez. Il est focalisé, il ne regarde pas à gauche, il ne regarde pas à droite, il est focalisé, chers camarades. Il est focus. Regardez comment il a mobilisé les VDP. Regardez comment il a mobilisé les VDP. Quand toi-même, tu es au Burkina, tu es soudeur, tu es vendeur de charbon, tu es rentré dans VDP, et puis on te fait un tel discours, mais tu as te tué, tu as donné ta poitrine, mon cher. Tu vas donner ta poitrine. Bah, tu sais que non seulement tu fais un combat patriotique, mais tu sais que tu seras récompensé. Donc, quand tu, parce qu'il a bien dit, jusqu'à la, il dit, à la fin de cette guerre, bien sûr. C'est ceux qui ont bien suivi le discours d'Ibrahim, du capitaine. Il dit, celui qui veut rentrer dans la fonction publique va rentrer. Celui qui veut rentrer dans l'armée va rentrer. Celui qui veut faire son propre business, on va l'accompagner. Mais, à la, juste, mais après que la guerre soit finie, dans le VDP, quand il voit un terreau, il court vers sa direction. Il veut le tuer vite, vite. Pourquoi? Parce qu'il faut que la guerre finisse. Pour que la récompense. Parce que cette vie de laquelle nous sommes dans, c'est une récompense. Les Burkinabés qui se battent là, ils se battent pour leur pays. C'est une récompense. Parce que si le Burkina Faso est libre, le Burkinabé est libre. La liberté, mais la liberté, c'est la meilleure des choses d'un être humain. Un être humain qui n'est pas libre, que tu sois riche ou pauvre. Si tu n'es pas libre, tu ne vis pas. Donc les Burkinabés, ce qu'ils font, c'est par intérêt. Leur premier intérêt, c'est que la nation soit libre, le pays soit libre. Si le pays est libre, le Burkinabé peut aller d'Abobo Dioulasso à Ouagadougou, vice-versa, sans problème. Mais si le pays n'est pas libre, le Burkinabé même a peur de voyager. Donc tout est, je dis, dans ce monde, tout est fait par intérêt. Tout est fait de la manière que tu dragues une fille. Et puis elle dit, je vais réfléchir là. Quand elle dit, je vais réfléchir là, souvent c'est vrai qu'on les attaque, mais elle n'a pas le choix. Elle veut savoir, est-ce que ce jeune homme-là, il peut garantir mon avenir? Est-ce que ce jeune homme-là, il fait quoi dans la vie? Elle réfléchit à tout ça-là. Mais tout est intérêt. Quand toi-même, tu vas à l'école, là, c'est pourquoi? Quand tu vas à l'école, là, c'est parce que tu aimes mathématiques? Est-ce que c'est parce que tu aimes mathématiques? Non. C'est parce que tu veux réussir dans la vie. C'est ton intérêt qui fait que tu te vas à l'école. Tu t'assois sur le banc. La maîtresse, elle te plaît ou elle ne te plaît pas ou tu vas l'écouter. Le professeur te plaît, il ne te plaît pas, tu vas l'écouter. Parce que tu sais que tu es venu pour ton avenir. Vous comprenez? Donc, j'aime la manière dont Ibrahim Traoré est focus sur son pays. Moi, ça me plaît particulièrement. De tous les trois présidents, vraiment, ça me plaît particulièrement. Il n'a pas dit que les autres ne sont pas focus. Mais il est beaucoup plus focus. Il est beaucoup, ça dit sa manière de faire me plaît. Je ne sais pas comment il va m'expliquer. Chers camarades, on va aller maintenant avec la tronipaille. Je parle un peu trop. Il faut que... Parce que ça, c'est long. Ça fait 13 minutes. Hein? Ils ont pris, on dirait, depuis le 11... Je crois, quand j'ai regardé un peu, jusqu'à aujourd'hui, toutes les dronifications, ils ont mis ensemble parce qu'ils n'ont pas trop fait de drones, ils n'ont pas trop montré. Donc, chers camarades, peuple d'Afrique, je vais vous présenter l'élément sans trop bavarder. On va suivre le film du début à la fin. Et puis après, on va commencer, on va continuer toujours notre décryptage, chers camarades. Voilà. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette édition spéciale. Une synergie d'action sur plusieurs jours entre des bataillons d'intervention rapide, des unités Guépard et Fantôme, un commando des forces spéciales de l'armée de terre et l'appui des vecteurs aériens dans le Sahel et le Sud-Ouest a livré ses résultats. À la moisson de cette offensive d'envergure, des centaines de terroristes neutralisés avec leur logistique, des véhicules et du bétail récupéré, la liste est encore longue. Les images sont commentées par Bienvenue Tansa. Depuis plusieurs jours, le 7e bataillon d'intervention rapide a mené des opérations offensives sur des bases terroristes dans les profondeurs de sa zone de responsabilité. Ainsi, des véhicules dérobés à l'armée, des systèmes de carburant dérobés aux civils par ces hordes de criminels ont été saisis par le BIR et d'autres détruits dans les combats. Une soixantaine de terroristes ont été neutralisés. Du bétail récupéré et remis aux autorités compétentes. Ces véhicules dérobés il y a quelques années de cela ont pu être récupérés, de même que le bétail. Aussi dans les zones de Gorom au Sahel comme au sud-ouest, des terroristes ont été neutralisés par les forces combattantes et du matériel de guerre saisi. C'est pendant l'opération du 7e bataillon que les terroristes ont attaqué la ville de Djibo le 26 novembre dernier, déclenchant la furie des forces combattantes. Après la vigoureuse riposte à cette attaque d'envergure sans précédent qui a mis l'ennemi en débandade,
l'ordre a été donné aux forces combattantes de pénétrer la ruche et de manger le miel des guerriers. L'opération Tchefari L2 est déclenchée dans le Sahel. Mission, prendre Baraboulé et contrôler toutes les localités au nord du Djibo jusqu'à la frontière. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas bien, le doyen, bienvenue. Je ne sais pas qui est plus âgé que qui entre lui et moi, mais il y a des proches de lui qui m'ont envoyé ses photos. Je ne sais pas si c'est lui-même qui m'a écrit, mais déjà m'a écrit pour m'envoyer certaines photos un peu privées, mais je vais jamais diffuser ces photos-là. C'est Roma qui regarde mes directs, donc je le salue ici. Ceux qui ne comprennent pas, pourquoi ils reviennent sur Djibo, puisque il y a longtemps, c'est passé. Hein, le jour qu'ils ont tué, et le jour où l'armée du Burkina a fait plus de 400 décès au sein des Tero-Tero, lorsqu'ils étaient 3000 là. C'est à la suite de cela que l'armée du Burkina a décidé d'aller prendre cette localité maintenant. Vous voyez maintenant, non? Parce que quand ces milliers de Tero-Tero ont fui, ils sont allés dans une direction dont l'armée a décidé, dans ces 2-3 jours-là, jusqu'à aujourd'hui, d'aller les trouver là-bas. C'est ce qu'on va regarder maintenant, chers camarades. Chers camarades, vous êtes combien? 1600 personnes. Partagez le live pour ceux qui n'ont pas partagé. Parce que il faut que nous apportons notre soutien sur les réseaux sociaux à M. Ibrahim Traoré et à son groupe, les VDP et les Forces de défense et de sécurité du Burkina. Ces gens-là méritent au moins cela, s'il vous plaît, chers camarades. On poursuit maintenant. Donc, c'est la suite de la bataille. Ils étaient venus en 3000, non? C'est la suite maintenant qu'on va suivre, chers camarades. On y va. Monsieur, avec pour le symbole fort, le fêté le 11 décembre à Baraboulé. Trois bataillons d'intervention rapide, les unités guépards et fantômes et un commando des forces spéciales de l'armée du terre vont se lancer. Hey! Hey! Yeah. L'assaut est lancé sur une forêt au nord du Djibo, puis sur Baraboulé. Ah bon? Dans le même temps, les vecteurs alliés vont suivre des criminels loin devant à Pétigoli, jusque sous un hangar. Ils sont verrouillés et frappés efficacement. Nous sommes le matin du 11 décembre. Leur logistique va brûler avec eux. Un pick-up qui était soigneusement camouflé sous les arbres va sortir et essayer de prendre la fuite. Peine perdue. Il est suivi de près. Je suis vraiment désolé, il faut que je commente. Pour ceux qui ne comprennent pas la nouvelle technique des Burkinabés, c'est que lorsque c'est un seul pick-up, s'ils sont trois, ils sont quatre ou cinq, c'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils suivent le pick-up pour que le pick-up les envoie aux autres. Quand ils ont bombardé, il y a un pick-up qui était caché sous un arbre. Lorsque ça fait quelques minutes, mais peut-être une heure, le pick-up est sorti et ils ont commencé à suivre le pick-up. C'est comme ça que ça se passe, la dronification. On continue le truc. Se camouflera sous un grand arbre et verrouillé, frappé efficacement. Il brûlera jusqu'à cramer. Les unités poursuivent leur assaut sur plusieurs bases jusqu'à Baraboulé. Les fuyards sont cueillis dans des embuscades tendues par les forces spéciales. Aucune chance pour l'ennemi. Plus de 200 criminels trouveront la mort dans ces assauts et de l'armement ainsi qu'une logistique importante est saisie ou détruite. Combats font rage et il faut plusieurs rotations de l'hélicoptère pour récupérer les armes encore utilisables saisies à l'ennemi pour alléger les combattants en vue de poursuivre l'assaut. Les unités font leur percée sur Baraboulé sous l'œil bienveillant des vecteurs aériens. Au matin du 11 décembre, les unités se lancent vers Pétigoli à la frontière. À
peine quelques kilomètres une embuscade leur est tendue par les criminels. Les hommes au sol vont demander aux vecteurs aériens de rester en retrait. Il est laissé célébrer la fête de l'indépendance par cette bataille en guise de petit déjeuner. Je suis désolé, mais ça me fait rire. Je suis désolé, cher camarade, ça me fait rire. Je dois dire deux mots. Vous savez que le 11 décembre, c'était la fête des indépendances. Le Capi Capi était quelque part dans le désert en train de faire un discours. Pendant ce temps, les drones étaient en train de poursuivre les terreaux. Vous comprenez? Et on leur a donné donc un cadeau pour célébrer donc l'indépendance du Burkina à les dronistifiants. C'est ce que Bienvenue Ton Son est en train de dire ici. Vraiment, ça fait rire quand même, ça fait pitié. Mais sans pitié, dans la guerre, il n'y a pas pitié. On continue le combat, il faut continuer la guerre. Ils vont anéantir les terroristes, récupérer les armes et une cinquantaine de motos. Une trentaine de terroristes sont abattus dans ce combat. Les vecteurs aériens suivent la manœuvre depuis les cieux. Mais 13h, ce 11 décembre, les combattants caressent la borne de la frontière à Petit-Goli et pendant ce temps, un groupe de criminels s'organise et fonce de bourreau vers Djibo. Arrivés à l'entrée nord, ils tergiversent. Ils ont l'intention d'attaquer la base dans les arrières des troupes, mais ont le souvenir amer de leur déculottée du 26 novembre. Ils ont peur. Certains avancent et d'autres reculent. Ils sont observés par les combattants du 14e RIA qui décident de les accueillir par des tirs d'artillerie. Certains avancent, d'autres reculent. Ils ont peur. Ils comprennent vite et prennent la poudre d'escampette direction Bourreau d'où ils sont venus. Les vecteurs aériens vont les prendre en chasse et leur tendre une embuscade aérienne à l'entrée de Bourreau afin de leur passer le message qu'ils sont vus et seront traités. Il est 20h environ ce même 11 décembre. Ces fuyards vers Bourreau croyaient que le danger était loin. Ils rassemblent de la logistique dans un hameau et se retrouvent sous une hutte autour de cette logistique. Ils sont suivis, verrouillés et frappés efficacement. Pendant ce temps, les unités combattantes poursuivent leur manœuvre dans les sanctuaires terroristes. Aucun répit pour les criminels. Au matin du 12, les unités basculent dans un autre fuseau en passant par Djibo. Des tricycles remplis d'armes de guerre de toutes sortes et des motos par dizaines encore utilisables retirées à l'ennemi anéanti. Les criminels dans la zone de Bourreau s'organisent pour faire face à de loyales forces. On peut les voir depuis les cieux. Des centaines de millions de motos bouillonnent dans la zone et s'organisent pour pouvoir affronter les guerriers. Ils sortent de toutes parts pour leur bataille finale. Les unités combattantes préparent l'affrontement et les attendent de pied ferme. Ils vont renoncer par peur de mourir à Djibo et repousser chemin dans leur sanctuaire. Peine perdue. Les forces combattantes vont se lancer à l'assaut ce jour 14 décembre.
pour en découdre avec les criminels. Face à la puissance du feu, des unités combattantes, les criminels ont compris qu'ils ne feront pas le poids. Ils décident de fuir pour ceux qui ont pu échapper vers le Mali, plus au nord. D'ailleurs, les vecteurs aériens maliens les y attendent impatiemment. Comme ce pick-up monté d'une douce tête avec une dizaine de combattants à l'arrière à toute allure, ils cherchent urgemment la frontière. Comme s'ils sont alertés du danger qui plane sur leur tête, ils freinent subitement et les criminels prennent leurs jambes au cou. Un missile va fendre le ciel et détruire le véhicule. Interceptés par les combattants au sol. Il est 9h17, exactement ce jour 14, quand ce véhicule est mis en état de bouillir. Ce tricycle peine à supporter la masse des criminels entassés qui cherchent à franchir la frontière. C'est le sauve-qui-peut, peine perdue pour eux. Un missile va s'abattre sur eux et mettre fin à leur course désespérée. L'embuscade aérienne est sans pitié. On se souvient encore ce 26 novembre, se blinder aux mains des criminels qui défonçaient le mur à Djibo. Ils fuient aussi les combats avec le chef criminel sûrement et espèrent retrouver la frontière. Il est identifié clairement et escorté par une moto en train d'arpenter les pistes à la recherche de la frontière, espérant se sauver. Un premier missile va l'immobiliser dans sa fuite et condamner les occupants à l'intérieur par le souffle. Le conducteur lui réussit à sortir, mais trop tard pour les autres. Un autre missile va les cramer à l'intérieur en passant par la tourelle. Sans pitié. Il brûle et crame avec ses occupants. Ce blindé ne leur servira plus jamais de bélier ou de protection. Ça, c'est un blindé. Ils ont mis un missile dedans. Il est 12h environ. Celui sur sa moto montée de mitrailleuse 12-7 mm tente de fuir et se camoufler. Il est désemparé. Il cherche à se cacher sous cet arbre. C'est sans pitié pour cette bataille. Personne ne s'en sortira vivant. Personne ne s'en sortira vivant. Personne. Et ainsi en ont décidé les anges du ciel. Il est verrouillé, frappé immédiatement. Lui seul, hein? Il est seul, mais ils ont bombardé quand même. Se poursuivent. Personne ne doit s'en sortir vivant. Personne. Ouais, les Burkinabés, le capitaine a dit, oh, le jour de l'indépendance, il dit, vous avez le temps de fuir. Parce qu'il va arriver à un certain moment où tu ne peux plus fuir, tu ne peux plus déposer les armes. Le gars, il est seul sur moto, hein. Il allait se cacher sous l'arbre. Mais personne ne doit s'en sortir vivant. Ils ont mis une seule personne. Ils ont mis un missile sur lui. Attends, missile, c'est pas moins cher. Prix de missile. Voilà, tu peux payer le loyer avec ça. Pendant 5 mois, prix d'un seul missile. Avant, l'armée du Burkina Faso triait un peu. L'armée du Burkina Faso ne gaspillait pas les missiles comme ça. Mais maintenant, où on est arrivé là? Une seule personne, on met douille. Parce que personne ne doit s'en sortir vivant. C'est ce que Bienvenue Ton Soir a dit, c'est pas moi qui ai dit. C'est le mot d'ordre de la part du capitaine Ibrahim Traoré. Donc, chers camarades, le jour des indépendances au Burkina, pendant que, c'est pas pour ne rien, c'est maintenant que je comprends pourquoi le capitaine est parti dans le désert. Parce que pendant que le capitaine faisait son discours, ils étaient en train de dronistifier les terreaux. Parce qu'ils se disaient que, comme c'est l'indépendance, les Burkinabés vont aller se reposer, ils vont aller voir leurs femmes, le président Ibrahim Traoré sera à la présidence, donc le désert est libéré. Donc ils ont commencé à remonter sur Djibo. Mais à leur grande surprise,
Les indépendants se sont passés dans les dronifications, chers camarades. Bravo! Nous remercions le Burkina Faso et merci à toutes ces personnes, toutes ces 3300 personnes que j'ai vues en direct. Merci d'avoir suivi avec moi cet élément. Je suis très content et il n'y a rien à ajouter. Ce que nous retenons, c'est que désormais, dorénavant, tu es sorti, si tu es visible, tu seras bombardé, même si tu es seul. C'est ça que je retiens. Parce que désormais, dorénavant, vous, et le capitaine l'a dit, il dit vous pouvez venir attaquer. Mais soyez sûr d'une seule chose, c'est que vous n'allez pas vous en sortir sain et sauf. Qui se rappelle de ce discours? Le capitaine l'a dit. Le capitaine a dit ça il y a deux jours en arrière, le 11, aujourd'hui est 14. Le 11, le capitaine a dit, il dit pour l'instant, vous pouvez toujours venir nous attaquer. Mais pour dire que tu vas t'en sortir pour aller dormir à la maison, là, c'est pas possible. Tu peux venir attaquer, mais tu ne t'en sortiras pas sain et sauf. De la manière que tu es venu attaquer, là, c'est comme ça que tu vas rester. C'est ça qu'on nous a démontré tout à l'heure avec le monsieur sur la moto qui est parti se camoufler. Une seule personne, j'ai mis Doumi. Donc, chers camarades, merci au Burkinabé. Le travail de la dronification est propre du côté du Burkina Faso. Les Burkinabés ont décidé de prendre leur territoire. Les Burkinabés ont décidé de prendre leur destin en main. C'est non négociable. C'est non négociable, chers camarades. Alors, je vais m'arrêter là puisque la dronification, elle seule, elle a pris plus de 13 minutes, je crois. La vidéo fait 13 minutes, sans oublier les pauses que j'ai mis pour faire mes propres commentaires et sans oublier tout ce que j'avais fait dans la vidéo. Le direct est déjà très long. Je pense que je peux m'arrêter là. Nous sommes à 30 minutes exactement du direct. Merci à toutes les personnes qui ont regardé ce direct. Voici mon apport, mon soutien au peuple, au pays des hommes intègres et au peuple du Burkina Faso. Et en même temps, par ricochet, au peuple de l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Herman le Patriote pour vous servir. On se dit à tantôt pour la suite des événements et des hostilités. Je vous remercie.